Euro 2004. L'équipe de France moins de 17 ans glane son premier titre, avec à sa tête des joueurs d'exception, Nasri, Ben Arfa et Benzema. On comprend très vite que le numéro 18 des Bleus n'est pas comme les autres. 3 ans plus tard, première sélection chez Léa et premier but. Samir Nasri pour jouer le coup franc. En retrait, la frappe et le but de Karim Benzema. Première sélection en équipe de France et premier but. Les débuts du Lyonnais avec l'équipe de France sont encourageants. Il participe même à l'Euro 2008, mais pas à la Coupe du Monde 2010, parce qu'il a déjà une affaire sur le dos. Franck Ribéry et Karim Benzema placés en garde à vue. Ils sont entendus depuis ce matin par la brigade de répression du proxénétisme. C'est donc l'affaire Zaya qui ressurgit pour les deux footballeurs. Ils sont soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles monnayées avec la jeune fille alors qu'elle était mineure. Il faut dire qu'il rate pas grand chose. La Coupe du Monde vire au désastre pour l'équipe de France. Benzema, lui, est fait d'une autre trempe. Ya está aquí entre nosotros Karim Benzema. De meilleur buteur de Ligue 1 à titulaire dans le plus grand club du monde. Gracias au presidente Florentino Pérez. Un, dos, tres, à la Madrid. Entre 2010 et 2012, Laurent Blanc essaie tant bien que mal de redresser l'équipe de France, mais là encore, c'est un échec. Il est donc enfin l'heure de faire appel à celui qui aurait dû être une évidence depuis longtemps. Bon, après, il y a la joie un peu plus individuelle. Comme j'étais le capitaine, je savais que j'allais être le premier à lever la coupe. Capitaine de l'OM en 93 et des Bleus en 98, le nouveau sélectionneur fait confiance à Benzema dès son premier match sur le banc. Le Français est d'ailleurs le joueur de champ le plus utilisé à la Coupe du Monde 2014, avant d'être promu capitaine en mars 2015. Malheureusement pour Benzema, ce rêve ne dure qu'un temps. Là on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens. Comme si j'étais un criminel. Il compte bien être présent en bleu sur le terrain en juin pour les débuts de l'Euro 2016. J'espère que ça va bien se terminer, qu'on va tous être bien, que ce soit Mathieu, moi, mon ami. Et voilà qu'on retourne tous en équipe de France pour gagner cet Euro. Problème, son avis n'est ni celui de la fédération, ni celui de Didier Deschamps, qui évite inlassablement la question. Je le redis, il est sélectionnable. D'accord. Après, il n'y a qu'une personne qui peut le sélectionner. Aujourd'hui, c'est moi. Il est sélectionnable. Après, sur les déclarations, c'est pas le seul. Il y en a qui ont la liberté de pouvoir s'exprimer. Le sujet Benzema en équipe de France finit presque par devenir de l'humour de répétition. Même Didier Deschamps, il y a seulement quelques mois, en rigolait encore. Quand Karim Benzema s'exprime à deux jours d'un match de l'équipe de France, c'est militant. Mais après avoir enchaîné les rendez-vous manqués, il est enfin là. Karim Benzema. Celui qu'on attendait tous, qu'on espérait tous. Celui qui nous permettra peut-être de remporter le prochain Euro et la prochaine Coupe du Monde, puisque selon le dicton, jamais deux sans trois,
Et désormais, et à partir d'aujourd'hui, jamais bleu sans Benzema.